moi je suis riche. Nous, Dieu nous a bénis. Nous, Dieu nous a élevés. Ah, mon frère. Aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est pas le costume qui nous trompe. Aujourd'hui, quand tu es bien habillé là, tu as mis bien la cravate, tu te sens déjà que tu es hein, quelqu'un d'important. Si tu veux détruire un chrétien, donne-lui un poste à l'église. Celui qui n'est pas mature, c'est comme tu amènes le cochon au salon. Il ne va pas la rendre propre. Il va la détruire. À cause de quoi? De l'immaturité. Les gens aiment les honneurs. Ils aiment qu'on les applaudisse. Ils n'aiment pas qu'on les critique. Ils n'aiment pas qu'on les brise. Vous devez savoir qu'un jour, pendant que je faisais la mission, je suis allé prêcher quelque part à l'étranger. J'avais très bien travaillé. Et le pasteur responsable de l'église m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as enseigné? Démontre-moi encore ce que tu as enseigné. Je lui ai démontré. Et à la fin, il m'a dit, tu n'as rien fait. C'est trop nul comme message. Quand j'ai entendu ce genre de discours, parce que j'étais immature, j'étais furieux. Je dis, regarde-moi le jaloux là. C'est un pasteur jaloux. Or, le pasteur voulait me dire que tu as bien prêché, mais il ne faut pas chercher à te limiter là. Il faut monter. Ah, je l'ai vu comme il était mon démon. Regarde comment l'église était dans la joie. Mais comment le pasteur peut me dire que j'ai mal prêché? L'immaturité m'a poussé loin de ce pasteur. Mais après 6 mois, j'ai revu le pasteur. Il me dira, ah, en tout cas, là, tu viens de prêcher. J'ai senti la maturité. Waouh! Quelqu'un qui est mature ne se fâche pas quand on lui critique. Quelqu'un qui est mature ne s'enfle pas d'orgueil parce qu'on le minimise. Mais quelqu'un qui est mature supporte. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Si tu veux devenir grand, apprends d'abord à être petit. Si tu ne veux pas être petit, la Bible déclare, le royaume des cieux n'est pas pour les grands, pour les petits enfants. Parce que tu peux bien bastonner, tu peux gifler. Un enfant, il ne va pas te rendre, il va pleurer. Après 5 à 10 minutes, il revient encore sous tes pieds. Ah! Et la Bible déclare, les hommes de Dieu ressemblent aux bébés, aux enfants. Parce que parfois, ils supportent. Ils ne font pas la guerre aux autres. Ils ne minimisent pas les autres. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, ça devient vraiment une église où les gens se battent, les gens cherchent des postes, les gens veulent être élevés, les gens veulent être bénis, les gens veulent être glorifiés. C'est compliqué, l'immaturité spirituelle. 5, la suprématie de l'amour. Pour savoir que ces chrétiens, ce monsieur, cette dame est mature, tu dois voir l'amour en lui. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La chaîne qui vous édifie. Merci mes chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de l'émission Carnet des adorateurs qui est présentée par le pasteur Milton Kasanga MacLieur de la mission Camp du Saint-Esprit Source de Vie. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Avant de commencer, nous allons d'abord invoquer le Saint-Esprit. Prions. Adonai Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous parles. Enseigne-nous ta parole. La Bible déclare, dans les derniers jours,
ils seront tous enseignés de Dieu. Parle-nous à travers ces messages, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Alors, merci, merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur la maturité spirituelle chrétienne. Pourquoi? C'est là où les bas blessent. Nous, depuis un bout de temps, nous avons vraiment constaté que beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas matures. Il n'y a pas la maturité. Vous pouvez constater, vous pouvez voir une église avec un grand homme de Dieu, mais quand tu regardes les enfants, quand tu regardes l'orgueil, quand tu regardes la vanité, tu dis, mais ici, là, il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la maturité. La maturité, c'est quoi? Quand on parle de la maturité spirituelle, ça signifie devenir adulte ou devenir mature. C'est l'état d'une personne qui a grandi avec Dieu. Nous allons d'abord lire ça dans la Bible, dans le livre de Hébreux, Hébreux 5. Nous allons commencer par le 12e verset jusqu'au 14e verset. Écoute ce que la Bible déclare. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment de ces oracles de Dieu. Vous êtes venu en avoir besoin de lui et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. C'est là où il y a le problème. Un bébé spirituel ne peut pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un bébé spirituel qui n'a pas la maturité est dominé par les sentiments, par les désirs, par la convoitise des choses de ce monde. La chair prime en lui, parce que l'ennemi de l'homme, c'est pas tout simplement le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. La chair est têtue. La chair, c'est que nous allons pas aller dans la présence de Dieu avec cette chair. C'est pourquoi la chair est en train de bloquer, en train de combattre l'esprit. Voilà pourquoi la parole nous dit, marchons selon l'esprit et nous n'allons pas accomplir le désir de la chair. La chair est têtue. La chair, c'est la qualité d'un enfant de Dieu qui n'est pas encore mature. Il vit dans des raisonnements. Il vit là pour critiquer. Il vit que juste pour critiquer les autres. Il est là juste pour calomnier les autres. Il n'est pas mature. La maturité est une qualité indispensable à acquérir. Si vous voulez être étiqueté comme un enfant de Dieu, sans elle, l'église ne peut pas grandir. Sans la maturité, nous allons vivre des choses étranges. Sans la maturité, nous vivons même de pasteurs étranges. Parce qu'il n'y a pas la maturité. Notre société exige les gens qui ont la connaissance et qui ont la maturité. Les gens qui sont responsables dans tout ce qu'ils font. Et cela demande la maturité. Ça n'a rien à voir avec l'âge. L'âge ne démontre pas la sagesse.
si avoir des cheveux blancs était synonyme d'être mature ou d'être sage, la chèvre devait être un génie parce qu'il a beaucoup de cheveux blancs. Voilà pourquoi nous avons besoin de la maturité. La maturité amène la croissance spirituelle. La maturité n'a rien à voir avec les calendriers. Les gens qui sont mûrs ont cette facilité d'écouter les conseils, d'écouter les réprimades. Même quand on les réprime, il est là, il écoute. Il ne va pas fuir l'église parce qu'on lui a mal parlé. Les chrétiens immatures sont ceux qui ont une enfance prolongée. Est-ce que vous êtes un bébé spirituel ou un responsable? Les bébés sont dominés par des sentiments. L'immaturité, c'est les refus de grandir. On te prêche, mais la chair est tellement têtue. Tu résistes à tout. Et pendant qu'on prêche, tu critiques, tu regardes l'apparence, tu as ta façon de réfléchir. Tu ne pourras pas grandir. Ici, on dit depuis là, on vous donne de grandes choses, des choses de grands, mais la personne refuse de grandir parce qu'il veut tout simplement prendre le lait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment tout simplement le lait. Ils aiment qu'on prêche des choses qu'ils aiment beaucoup. Maman, je vois les mariages. Papa, tu seras béni. Je vois l'argent. Dieu m'a dit. Attends. Donc, tous les jours, Dieu va commencer à me dire des choses. Et moi, je vais commencer à te dire. Et toi-même, tu ne cherches pas à être à l'écoute du Seigneur. Tu ne cherches pas à prier et à avoir la connaissance. Voilà ce que nous disons, que ces gens de chrétiens ne sont pas matures. Ils n'ont pas grandi. Tu vois, un chrétien qui va seulement à l'église les dimanches ne peut pas avoir la maturité. Il choisit les jours parce qu'ils vivent dans le boud et dans la justification. Qu'est-ce qui a tué Adam? C'est parce qu'il n'était pas enseigné. C'est parce qu'il n'était pas mature. Il a commis le péché et Dieu l'a réprimandé. Au lieu de dire au Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi Seigneur, j'étais idiot, j'étais rebelle à tes ordres. Mais il n'a pas agi de la sorte parce qu'il était immature. Il a commencé à se justifier. Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Ah! Dieu dit, ok, je vais voir aussi si sa femme est mature. Dieu est allé interroger la femme. Au lieu que la femme puisse dire que Seigneur, vraiment pardonne-moi. C'est moi la sorcière. Je ne suis pas vraiment mature. Je n'ai pas écouté les orientations de mon mari. La femme aussi a commencé à se justifier. Oh non, c'est pas moi, c'est le serpent. Dieu a vu, ouais, ce sont vraiment des chrétiens immatures. Je dois les punir. C'est comme ça Adam et Ève sont rentrés dans la malédiction à cause de l'immaturité spirituelle. Les gens immatures tournent leur esprit vers les choses du monde. Quand tu vois un chrétien qui aime trop les choses du monde, vous devez savoir que c'est un bébé spirituel. Il aime trop les choses du monde. Les choses de Dieu lui intéressent moins. C'est comme si quelqu'un qui va dans un vide. En fait, beaucoup des enfants de Dieu voient Dieu comme un vide gars. C'est-à-dire, ici on parle de quado. Vous voyez, un chauffeur va voir les vide gars s'il a juste la crevaison. S'il n'a pas de crevaison, il ne partirait jamais voir pour voir un vide gars ou un quado. Beaucoup de chrétiens sont comme ça là. Ils cherchent Dieu dès qu'ils ont le problème. Et dès que Dieu le
te donne la réponse, ils tournent le dos. Parce qu'ils sont pas matures. Le bébé spirituel ne peut pas discerner le bien et le mal. Parce qu'ils sont dominés par la chair. Les bébés spirituels ignorent les avantages qui les sont les siens ou la sienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi dans la spiritualité. Nous avons au moins 10 signes de la maturité chrétienne. Comment tu peux savoir que cette personne est mature? Premier signe, vous allez voir la gestion de secrets. Cette personne aura la capacité de gérer les secrets. On ne peut même pas te faire confiance parce que tu ne gères pas les secrets. Proverbe 11, verset 13. Deuxièmement, le discernement spirituel. Le discernement des esprits, le discernement spirituel est très important. Pourquoi? Un enfant de Dieu doit être dirigé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des faux frères dans nos églises, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes. Maintenant, un enfant de Dieu qui a le discernement doivent discerner le bien et le mal, doivent discerner le vrai et le faux. Il ne doit pas regarder l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Aujourd'hui, personne n'a quitté l'église en disant le bien du pasteur. Lorsqu'une personne veut quitter l'église, il va commencer à dire n'importe quoi. Cela montre que la personne est immature. Il a la vengeance. Il a l'amertume dans le cœur. Il n'aime pas faire du bien. Il n'aime pas voir l'autre émerger. Il n'aime pas voir l'autre aller de l'avant. Dès que Dieu bénit l'autre, lui dans son cœur, oh, ça lui fait très mal. C'est l'immaturité. La gestion des conflits. Un bébé spirituel ne peut pas gérer les conflits. C'est juste des chrétiens matures. Quand on lui offense ou il offense une personne, il doit aller suivre, il doit aller voir cette personne-là pour s'excuser. Aujourd'hui, nous avons des conflits partout. Tu vois des gens qui vont à l'église, ils ont trop de conflits avec les autres. C'est pas bien, c'est pas bon. Faut chercher à pardonner. 4. L'humilité. C'est une force, non une faiblesse. La parole de Dieu nous encourage de vivre dans l'humilité. Les gens humbles écoutent volontiers les conseils. Mais les orgueillés n'écoutent pas les conseils. Le monde a tendance à penser que les gens qui sont fiers et sûrs d'eux, C'est ce qu'on doit imiter. C'est-à-dire que quand quelqu'un est fier, on sent que lui, là, on doit l'imiter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, dès qu'il a un peu d'argent, il commence à marcher comme ça. Les gens humbles et doux sont de bénédiction. Être humble et doux, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est humble, Dieu aime les humbles. Il y a des cas que Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, il fait grâce aux humbles. Donc, les gens matures, ils sont humbles. Ils gèrent bien les conflits. Ils discernent bien les choses. Ils ont la gestion de quoi? Des secrets. Il y a des fois, nous, le pasteur, je viens te relater. Une fidèle ou un adepte vient te relater quelque chose. Tu fais ça maintenant un message. Tu viens devant les enfants de Dieu. Voilà, Dieu m'a dit, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Non, non, non. Ne fais pas tes prédications par rapport à ce que les gens te disent. C'est de l'immaturité. Il faut savoir gérer. Aujourd'hui, nous avons des églises où tu racontes quelque chose. 5, 4, tu étais seul avec le pasteur. Mais après un certain moment, tu sens que tout le monde est au courant de ce que tu as raconté. L'immaturité spirituelle. On n'a plus de gens matures. On n'a que des orgueilleux dans les églises.
C'est quoi l'orgueil? L'orgueil peut se définir comme une estime excessive de sa propre valeur, de sa propre beauté, de ses talents. Moi, je suis belle, moi, je suis beau, moi, je suis riche. Nous, Dieu nous a bénis, nous, Dieu nous a élevés. Ah, mon frère. Aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est pas le costume qui nous trompe. Aujourd'hui, quand tu es bien habillé là, tu as mis bien la cravate, tu te sens déjà que tu es hein, quelqu'un d'important. Si tu veux détruire un chrétien, donne-lui un poste à l'église. Celui qui n'est pas mature, c'est comme tu amènes le cochon au salon. Il ne va pas la rendre propre, il va la détruire. À cause de quoi? De l'immaturité. Les gens aiment les honneurs. Ils aiment qu'on les applaudisse. Ils n'aiment pas qu'on les critique. Ils n'aiment pas qu'on les brise. Vous devez savoir qu'un jour, pendant que je faisais la mission, je suis allé prêcher quelque part à l'étranger. J'avais très bien travaillé. Et le pasteur responsable de l'église m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as enseigné? Démontre-moi encore ce que tu as enseigné. Je lui ai démontré. Et à la fin, il m'a dit, tu n'as rien fait. C'est trop nul comme message. Quand j'ai entendu ce genre de discours, parce que j'étais immature, j'étais furieux. Je dis, regarde-moi le jaloux là. C'est un pasteur jaloux. Or, le pasteur voulait me dire que tu as bien prêché, mais il ne faut pas chercher à te limiter là. Il faut monter. Je l'ai vu comme il était mon démon. Regarde comment l'église était dans la joie. Mais comment le pasteur peut me dire que j'ai mal prêché? L'immaturité m'a poussé loin de ce pasteur. Mais après 6 mois, j'ai revu le pasteur. Il me dira, ah, en tout cas, là, tu viens de prêcher. J'ai senti la maturité. Waouh! Quelqu'un qui est mature ne se fâche pas quand on lui critique. Quelqu'un qui est mature ne s'enfle pas d'orgueil. Parce qu'on le minimise. Mais quelqu'un qui est mature supporte. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Si tu veux devenir grand, apprends d'abord à être petit. Si tu ne veux pas être... La Bible déclare, le royaume des cieux n'est pas pour les grands, pour les petits enfants. Parce que tu peux bien bastonner, tu peux gifler. Un enfant, il ne va pas te rendre. Il va pleurer. Après 5 à 10 minutes, il revient encore sous tes pieds. Ah! Et la Bible déclare, le royaume des cieux ressemble aux bébés, aux enfants. Parce que, parfois, ils supportent. Il ne fait pas la guerre aux autres. Il ne minimise pas les autres. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, ça devient vraiment une église où les gens se battent, les gens cherchent des postes, les gens veulent être élevés, les gens veulent être bénis, les gens veulent être glorifiés. C'est compliqué. L'immaturité spirituelle. 5. La suprématie de l'amour. Pour savoir que ces chrétiens, ce monsieur, cette dame est mature, tu dois voir l'amour en lui. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est présenté comme étant le premier fruit de l'esprit. Sans elle, aucun autre fruit n'est possible. Est-ce que vous aimez les autres? Nous avons 4 sortes d'amour. 1. Nous avons l'amour qu'on appelle l'amour filéo. On dit en français l'amour filial. C'est l'amour entre amis. C'est une amitié. Un amour humain. Un amour limité. Ça, c'est le premier amour. 2. Nous avons l'amour éros. On appelle ça l'amour physique ou l'amour sexuel aussi.
Eros fait partie de l'amour physique et de l'amour sexuel. Ce type d'amour découle dans nos sens et dans nos instincts. Ce type d'amour découle également dans nos passions. Cet amour doit se présenter dans trois dimensions. Nous avons un, l'amour vertical, c'est-à-dire l'amour entre l'homme et son Dieu. Nous avons l'amour horizontal, c'est-à-dire l'amour entre les hommes et les femmes. Et nous avons l'amour intérieur, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Ça, c'est l'amour Eros. Troisième sorte d'amour, nous appelons ça l'amour storge. C'est l'amour de la famille. Et quatrième sorte d'amour, nous appelons ça amour agapao. C'est l'amour parfait et divin. C'est l'amour profond et constant. Une personne qui a l'amour agapé est patient. Comment tu peux connaître ces chrétiens matures? La patience, ça fait partie de ses fruits. Plein de bonté. La personne n'est pas enviée. Il n'en vit pas les autres. Il n'en vit pas la richesse de ce monde. Il ne veut pas être, il ne cherche pas à devenir riche. Il a la promesse en lui. Donc il n'en vit personne. C'est un chrétien mature. Une personne qui a l'amour agapé ne s'enfle pas d'orgueil. Ne cherche pas son propre intérêt. Il supporte tout. Ne médite pas le mal pour les autres. Apparemment, plein de gens ne sont pas matures parce qu'ils manquent l'amour agapé. 6. L'intégrité. L'intégrité est l'une des qualités les plus importantes dans la vie chrétienne. Est-ce que tu intègres? La Bible déclare que Job était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Waouh! La maturité. Job était mature. Il ne craignait pas les hommes. Il ne craignait pas l'argent. Il n'avait pas la tremblante dès qu'il voit les hommes. Donc il fréquente les riches. Les gens élevant en dignité. Mais lui, il était intègre et droit. Il cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il était mature. La soumission aux autorités établies, ça fait partie de la maturité. Un chrétien mature doit respecter son pasteur et les autres pasteurs. Ça sent la maturité. Quand vous voyez quelqu'un en train de critiquer ce père, ah, on ne fait pas la guerre dans son pays, tu vas tuer tes propres frères et sœurs. La place de l'argent et de bien. Un chrétien immature, pour gérer l'argent, ça serait difficile. Il est cupide. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Tu aimes trop l'argent. Ça veut dire que l'argent est la racine de tout le mot. L'argent, que tu vois là. Un chrétien mature ne tue pas l'autre, n'empoisonne pas l'autre, ne fait pas du mal à l'autre pour gagner de l'argent. 9. La stabilité. L'objectif du Seigneur est que nous soyons stables. Nous le cherchons de tous nos cœurs, de toutes nos vies, de toutes nos pensées. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous n'ont pas grandi dans la spiritualité. Ils sont juste en train de prendre du lait. Ils n'ont pas les dents pour manger la viande. Ils ne veulent pas qu'on les critique. C'est dangereux. Le danger de l'immaturité spirituelle. Une personne qui est immature ne peut pas recevoir les enseignements. C'est quand tu l'enseignes, en fait, il est pressé, lui, ce n'est pas les enseignements. Lui, il veut tout simplement là et là. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, je veux te voir. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira votre pain et votre eau. Ça commence par les services. Tu dois commencer d'abord à servir. Les dangers d'être immature, un chrétien immature manque de connaissances.
Il n'est pas stable dans la foi. Il bouge à tout moment. Il a trop de soucis pour les choses de ce monde. Il aime trop ce qu'il aime là. Raison pour laquelle il ne peut pas grandir. Il manque de l'expérience à la parole de la justice. Il manque les témoignages du changement. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est bien. Il est la proie de la séduction. On peut lui séduire avec n'importe quel miracle. On peut lui séduire avec toutes sortes de vents. Ah oui, il ne va rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Un chrétien immature a l'estime de soi. En fait, il est trop... Il est toujours comme ça. Ben, nous. C'est le comportement enfantin, l'hypocrisie, l'égocentrisme, l'ego. Il aime seulement lui-même. Moi-même. La langue malade incontrôlée. Une personne immature a des amis peu rentables. Les amis que tu as ne te poussent pas à chercher Dieu. Est-ce que tu as déjà eu des amis qui te disent, bon, allez à la montagne de Dieu, nous allons prier. C'est de vrais amis. Et si vous avez que des amis qui vous amènent dans des boîtes, dans des endroits un peu obscurs, dans des loisirs, dans des plages, vous devez savoir que vous êtes encore bébé spirituel. Nous allons prier que le Seigneur s'élève et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Prions, répète après moi, dit Éternel Dieu des armées, merci pour m'envoyer cette parole. Aie pitié de moi. Je ne suis pas digne de me présenter devant ta présence à cause de l'immaturité. J'ai une langue malade. Je n'arrive pas à parler de bonnes choses de toi. Je te critique dans mon cœur. Je te parle mal. Aie pitié de moi. Donne-moi la capacité de supporter les autres. Donne-moi la capacité de recevoir ta parole et que ta parole demeure en moi. Lève-toi, Seigneur, agis dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Que les saints disent Amen. Tu prends le numéro de WhatsApp. Si le Seigneur te met quelque chose en cœur, tu veux partager avec nous, tu nous écris sur plus 243 85 88 18 0 53. C'est la voix de votre bien-aimé, le pasteur Milton Kasanga Makrieur. Que le Seigneur vous accorde sa faveur afin de monter, de grandir dans la chose de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que les saints disent Amen.